Bienvenue dans cette nouvelle présentation de compétences. Aujourd'hui, on s'attaque à Veiller. Veiller est une compétence débloquée par Quentin Smith. Vous veillez sur vos amis, même dans les situations les plus rudes. Vous récupérez 20, 25, 30% plus rapidement des effets de statut aveuglement, brisé, épuisement, à découvert, hémorragie, entrave et inconscient. Cet effet s'applique également à tous les survivants dans un rayon de 8 mètres autour de vous et persiste pendant 15 secondes. Pour jouer au tour de veillée, je vous conseille les compétences suivantes. Adrénaline, pour le peuple et course effrénée. Notez que vous pouvez remplacer pour le peuple par libération si vous ne faites pas confiance à vos alliés. Adrénaline vous permettra d'utiliser encore plus de compétences à épuisement. Pour le peuple et libération permettront d'augmenter vos capacités de sauvetage. Quant à course effrénée, il s'agit de la compétence à épuisement qui profite le plus de veillée. Pour les points positifs du build, on aura un build excellent pour les chase, un build plutôt bon pour carry, et on aura un build qui profite de très bonnes capacités de sauvetage. Quant aux points négatifs du build, on aura un build plutôt mauvais pour le gen rush, et on aura un build qui va rapidement manquer de soins personnels. Veillée est une excellente cinquième compétence. La compétence est un excellent counter à de nombreuses autres compétences, comme par exemple Terrain Hanté ou Semeur de Peur. Mais la compétence est également excellente contre de nombreux accessoires, comme par exemple les dents de bébé des jumeaux. En plus de cela, si vous jouez avec une compétence à épuisement, celle-ci prendra seulement 42, 35, 28 secondes avant de pouvoir être réutilisée. Cependant, avec Veillée, vous devez vraiment abuser des compétences à épuisement et des effets de statut. Si vous ne jouez pas avec ou contre ce genre de perk, alors la compétence ne sera pas forcément la plus utile. En me basant sur mon avis personnel et sur l'avis général, je donnerai à Veiller une note de 3,4 sur 5. A bientôt pour de nouvelles présentations.